Là, va m'embille. Où tout le monde. Donc là, on est au club. On est en hyper coco. Donc aujourd'hui, on va juste faire le normal. Je crois le monde est 16h. Donc voilà. Donc là, on est le matin. Il doit être, je sais pas, peut-être 11h, un truc comme ça. Donc là, c'est bon, on a terminé le coco. Là, il y a les trompettes qui est en train de sauter. Je pense qu'après le coup, on va peut-être aller manger. Enfin, d'abord, on va manger avec eux, puis ensuite, on va aller manger. Donc là ils ont fini de monter, on va manger parce qu'il est très clairement 13h, on n'a toujours pas mangé. Du coup je vais aller manger, puis après je sais pas ce que je vais faire, je vais aider, mais je sais pas ce qu'on a fait. Donc là j'ai terminé de manger, on va préparer les petits pour le cours de 15h. Donc là on va préparer les Shetland pour le cours de 15h. Donc là j'ai fait du copeau, on a terminé le foin. Puis après je sais pas ce qu'il me reste à faire, on a déjà le philo et tout. Donc voilà. Donc là on va bientôt monter, il doit être 15h30, un truc comme ça. Donc vient le cours. Donc au début tout allait bien, etc. Puis d'un coup il y a eu une pluie, mais pas possible. Au début on s'est dit c'est bon, ça va passer, mais après on est redescendu parce que c'était juste pas possible. Ça s'est calmé, du coup on est remonté. Puis ensuite il commençait à avoir des orages, donc on n'avait pas du tout le choix, on était obligé de descendre. Sinon on devait travailler sur des barres au sol, il était assez bien, mais c'était juste dommage la pluie parce que du coup on n'a pas fait beaucoup de cours. Mais sinon ça va, c'était bien. D'ailleurs je vous ai même pas dit c'est qui, donc le poney là c'est Triskel. Donc je sais pas si vous avez vu mon vlog la motte, mais c'est celui que Saina avait eu à la motte. Triskel il était dans mon équipe, je précise. Sinon j'ai pas trop de vidéos de mon cours, enfin j'ai juste ma détente au galop et un petit peu au pas. Parce que juste là il pleuvait mais ça se voit pas trop. Et je pense pas que ça faisait plaisir à la personne qui me filmait de rester sous la pluie en train de me filmer. Sans compter qu'elle était en t-shirt, elle avait même pas de kawaii ni rien. Donc bon, voilà, bref, donc ça c'était la séance. Bon, je pense que vous avez entendu le son. Au final avec la pluie, on n'entendait rien du tout de ce que je disais. Donc je vais vous dire ce que j'expliquais, mais en voix off. Je disais que là, c'était pas prévu. Mais il y a une pluie juste pas possible. Bah là je suis obligée d'essayer de m'en occuper dans son box tellement qu'il fait froid. Bah voilà, sinon on a travaillé sur des barres au sol. Il était très bien. Mais du coup c'est juste qu'avec la pluie on n'a pas pu faire un cours comme ça. Du coup notre cours on l'a terminé largement plus tôt que d'habitude. Puis là je vais le desceller. Je lui passe le couteau de chaleur parce que là il a plein d'eau sur lui. Vraiment c'était juste pas possible, il y a eu juste pas possible. Regardez comment il est trempé, attendez. Regardez mon sol, il est juste trempé. Il est vert, il est trop clair. Là il est hyper foncé. Vraiment c'est juste pas possible. Bref, donc là je vais le déceler, je vais le laisser, je vais attendre, je vais rester dans le box là. Je vais attendre que la pluie elle passe. Puis ensuite je ressortirai. Mais on va plus monter là, c'est bon, parce que là il y a eu trop de pluie, c'est pas possible. Pourtant tout à l'heure on crevait de chaud et là d'un coup il y a eu de la pluie. Donc là je vais le desceller, lui enlever le filet et lui passer le coup de chaleur, c'est parti. Bref, là la pluie elle commence à se calmer un peu, mais je vais quand même desceller parce que là c'est pas possible. Donc bref, sur ce j'espère que ce vlog vous aura plu, bisous.